Installez vos portables. Attends, mais ça veut pas venir comme ça. C'est un poteau et un mur. Ah, voilà. Et madame. Voilà, chouette. Mettez un petit peu en bas. Parfait. Voilà. Alors, pourquoi vous les avez disposés de cette manière? Pour la couleur du collège. Et aussi alors, parce qu'il y a un poteau là, un poteau là, et un truc au milieu. Et qu'est-ce que ça, quel effet ça produit ces deux poteaux dans la composition d'ensemble? Bah, il y a la couleur qui va avec. Oui, mais moi je vous parle des poteaux. On est d'accord, on va parler de la couleur après. Mais ces deux poteaux là, quel effet ça produit dans l'ensemble? Montrer que ça c'est en hauteur. Voilà. C'est les côtés. Qu'est-ce qui se trouve en hauteur? Le nom. Faya. Faya. Donc les poteaux, ça fait comme quoi? Comme si des colonnes. Comme si ça soutenait. Exactement. Comme voilà. Donc du coup, ça. Ça montre en valeur. Ça met en valeur cette partie qui est en haut. Oui. Et là, cette partie qui est entre les deux, à quoi elle est pourquoi elle est reliée aux deux autres? Parce que quand on voit ça ici, ben ça continue comme ça vers le bas et. Oui, non, mais il y a aussi une raison. Là, vous l'aviez dit tout à l'heure. C'est très simple. La couleur. La couleur. Donc là, vous avez en bas, la partie du bas et tous vos portables, la couleur qui réunit l'ensemble. Mm-hmm. Et là, ici, la fonction de ces deux poteaux, c'est de soutenir le titre du collège. Donc ça, c'est bien ça. Est-ce que vous avez fait exprès de mettre le portable blanc en haut et les trois noirs en bas? Oui. Vous avez choisi ça? Oui. Donc ça participe à la composition. Oui. Bah, c'est bien. C'est bien.